France, Monsieur le Président de la République, au complexe industriel laitier de Mandalia, cérémonie de présentation des lettres de créance des quatre nouveaux ambassadeurs, adieu d'un ambassadeur arrivé en fin de mission, audience accordée par le Président de la République au ministre nigérien du Pétrole, entrevue de la Première Dame du Tchad avec la nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, tels sont entre autres les points saillants de ce quatrième numéro de Sur le Perron. Le président de la République a de tout temps invité ses compatriotes à investir dans le travail de la terre et de l'élevage, des ressources pérennes non tarissables au contraire du pétrole. Cette semaine, le président de la République est allé visiter le complexe industriel laitier de Mandalia, Le Point, avec Djibrine Nouhalouali. En posant ses pieds au chantier, le chef de l'État Idriss Déby Itno ne vient pas dans un endroit inconnu. Ce site était en effet la ferme personnelle du chef de l'État qu'il a cédé par la suite au ministère de l'élevage pour en faire un projet gigantesque au profit de tous les Tchadiens. Ce projet est bel et bien le complexe industriel laitier de Mandalia lancé en 2015. Depuis lors, le projet fait son chemin et c'est pour apprécier personnellement l'évolution des travaux que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a effectué ses déplacements. Après le bloc technique et administratif où des explications sommaires lui ont été données, le chef de l'État a visité une autre composante du complexe, les étables. L'on est en pleine expérimentation des inséminations artificielles sur des vaches laitières. Une nouvelle étable, bien plus grande, est en finition. Les choses sont plus avancées pour ce qui est de la culture fourragère. C'est de là que provient l'alimentation des animaux. Des avancées donc, mais le projet connaît aussi des difficultés. Les travaux sont souvent entravés par la non-régularité des financements. Des réponses seront apportées, promet le chef de l'État, engagement qui vient renforcer l'optimisme des techniciens. Ici, les étables sont déjà pratiquement tous construits. Les cultures des aliments sont dans, les infrastructures sont terminées et même le dispositif pour la collecte du lait également est quasiment terminé. Le niveau d'exécution dépasse déjà les 60% pour le complexe de Mandalia. Donc si le financement arrivait, ici au niveau de Mandalia, ce qui est sûr, avant la fin de l'année, les travaux seront finis. Une fois les travaux sur le terrain finis, il reste à construire les centres de collecte qui sont au nombre de 7 tout autour de Mandalia. C'est à partir de là qu'entrera en production la laiterie moderne. Cette perspective, qui se rapproche plus que jamais avec les nouvelles orientations du chef de l'État, renforce l'enthousiasme du premier responsable du projet, Dr Mohamed Hamid Mohamed. C'est très ambitieux parce que le président de la République a initié ces projets dans le cadre de satisfaire les besoins nationaux en produits importés, tout ce qui est lait et ses dérivés, c'est-à-dire fromage, yaourt et tout. Maintenant, le Tchad est dépendant de l'étranger. Mais avec ces projets, et dans peu de temps, on va commencer à être plus indépendant par rapport à l'étranger. Mais j'ai cette assurance, parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de nous assurer qu'il va nous soutenir. Les petits moyens qui nous manquent, il va les compléter et il va les suivre personnellement. Ce qui nous encourage aussi à aller à doubler de l'effort pour donner un produit de qualité reconnue et pourquoi pas l'exportation de ces produits naturels et biologiques. C'est rassuré du constat et des explications qui lui ont été données que le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté le complexe dans l'espoir de voir rapidement le projet entrer dans sa phase de production. Des délégations des investisseurs étrangers ont posé cette semaine leurs valises au Tchad. La première, Émirati, attirée par le secteur de l'élevage. La seconde, soudanaise, par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne vous en dis pas plus. Retrouvons une fois de plus Djibrine Nouhalouali.
C'est le secteur de l'élevage que l'entreprise Ben Bouti International a choisi pour son premier investissement au Tchad. Après le mémorandum d'entente signé l'année dernière, cette entreprise veut aller vite à la concrétisation de son partenariat avec le Tchad. Cette disponibilité, la délégation émiratie amenée par l'ambassadeur Mohamed Ali Hachamsi l'a exprimé de vive voix au chef de l'État Idriss Déby Itno. Des assurances lui ont été données quant au respect des accords et la bonne conduite des actions de rénovation grâce à des investissements conséquents. Et ce, afin de fournir un meilleur service et des produits de qualité. Des éclaircissements somme toute importants pour le chef de l'État qui a félicité les investisseurs et les encourage à travailler étroitement avec les ministères concernés. La libéralisation des laboratoires frigorifiques de Farsha avec la co-gestion d'après le chef de l'État permettra de redresser et moderniser cet important instrument. Cette démarche, qui se veut plus cohérente, vient après la première tentative de libéralisation de la gestion des laboratoires, une expérience qui s'est soldée par un échec amenant l'État à reprendre la gestion en 2004 des mains de l'entreprise SMA. C'est un accord de co-gestion de l'abattoir frigorifique de Farsha. Comme vous le savez, l'abattoir est un outil qui est important, qui a été mis en place par le gouvernement depuis des années. Il faut rappeler que sur les 22 chambres froides, il y a deux qui fonctionnent. Pour une capacité de 170 tonnes, à peine 20 tonnes par jour. Donc tout ça, ça suppose qu'il faudrait voir le mode de gestion. La gestion par l'État a montré ses limites et il faut faire appel à des investisseurs privés. C'est ainsi que cet investisseur d'Emirati est venu pour investir dans l'ordre de 2 milliards et demi pour rendre moderne notre abattoir et mettre en place des outils de vente et de commercialisation de la viande selon les normes internationales répondant. Cela nous permettra aussi d'appuyer sur l'exportation de notre viande. Le Tchad a 93 millions de têtes de bétail et nous avons des marchés porteurs au Nigeria, en Égypte, partout. Donc si nous avions de la viande de qualité, nous pouvons exporter cela très facilement. Donc c'est un contrat qui vient à point nommé. Elle amène des investissements, elle modernise l'abattoir et aussi règle un problème auquel nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de les résoudre. Les jalons sont posés en avril dernier à El Djineina lors du forum sur la sécurisation des zones frontalières. Le président de la République Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Oumar Hassan El Béchir ont ouvert les portes à l'implantation des projets de développement dans les deux pays. C'est à la lumière de cette volonté clairement affichée que vient cette audience accordée par le chef de l'État aux investisseurs tchado-soudanais. Ils ont sollicité et obtenu l'accord du gouvernement pour la co-gestion de la fibre optique installée au Tchad depuis 4 ans. Initialement, il est prévu une vérification des installations avant la mise en marche, ayant comme première conséquence une réduction des coûts de l'Internet. Un accord sera signé dans la foulée, dont les termes seront déterminés par les techniciens du ministère en charge des télécommunications. Les télécoms ne sont pas le seul secteur qui intéresse la Souda Tchad, une entreprise multiservice qui ambitionne également travailler dans d'autres projets de grande importance portés par la coopération tchado-soudanaise. Il s'agit notamment de la construction de la route Abéché-Adré, du transport du gaz des Sédigui et de la fourniture de l'énergie solaire. Khalid Mohamed Al-Hassan, l'un des responsables de la Souda Tchad, renseigne que tous ces projets sont d'une grande importance et dont la réalisation est supervisée directement par les deux présidents qui trouvent en ces projets un moyen de solidifier les liens économiques entre le Tchad et le Soudan. En effet, nous avons signé un protocole d'accord avec Souda Tchad, une société donc soudano-tchadienne, avec laquelle nous comptons passer très rapidement à l'opérationnalisation de la fibre optique qui vient du Soudan. Donc, il s'agit d'un réseau de 1217 km qui était en attente d'une opérationnalisation rapide et c'est aujourd'hui un pas que nous marquons. Très prochainement, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, nous allons donc techniquement commencer le processus qui nous permettra d'aboutir très rapidement au début de l'opérationnalisation de cette fibre optique. L'instant d'après, le président de la République Idriss Déby Itno échange avec le ministre nigérien du pétrole, Fumakoi Gado. Reportage d'Aku Bukuni. Le président Idriss Déby Itno accueille ce jeudi 12 juillet le ministre du pétrole nigérien, Fumakoi Gado, au sein du palais présidentiel, lors d'une audience traitant le sujet des taxes fiscales quant aux échanges pétroliers entre les deux pays.
C'est tout en humeur confiant que le ministre du Pétrole, Fumakoi Gado, accompagné de ses collaborateurs, entre dans le lieu du rendez-vous pour un entretien d'une trentaine de minutes avec le président tchadien, marquant ainsi le début d'une nouvelle entente entre le Tchad et le Niger. Jeune producteur de pétrole depuis 7 ans, rappelons que le Niger a entrepris des travaux d'exportation de son pétrole vers le Tchad et via des oléoducs, facilitant ainsi le transport de ce carburant. Ceci dit, les taxes foncières posant quelques contraintes handicapent l'aboutissement et le bon déroulement de ce projet. D'une poignée de main ferme et optimiste, se clôture la réunion qui, selon le ministre nigérien, a porté ses fruits et mis un accent sur une bonne partie des failles existantes. Nous avons discuté essentiellement des problèmes de taxes, des problèmes de fiscalité qui seront appliqués à ce pipeline, à la société de pipeline. Et nous pensons que les points de divergence sont plus ou moins aplanis. Il reste encore quelques questions à résoudre. Nous allons échanger en retour avec nos partenaires chinois et nous espérons que cette fois-ci nous serons au bout du tunnel pour commencer la construction du tunnel. C'est surtout au niveau des taxes, des fiscalités. Nos partenaires veulent des faveurs, notamment pour avoir des exonérations, par exemple, pour 10 ans. Alors que de deux côtés, aussi bien au Tchad ou au Niger, généralement, les exonérations sont accordées aux sociétés entre 3 et 5 ans. Ils veulent aller à 10 ans. Donc, c'est des questions qui vont au-delà des textes actuels de nos deux pays, mais qui peuvent être tranchés par les gouvernements pour faire des exceptions. En espérant que les ententes se poursuivent et restent sur cette bonne voie, menant ainsi à une solution adéquate et avantageuse tout en œuvrant pour le bien des deux nations. Quatre nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Idriss Déby Itno. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Kosovo, du Royaume d'Arabie Saoudite, du Burkina Faso et du Bénin. Quatre pays frères et amis du Tchad désirent renforcer et ou nouer des relations diplomatiques avec le Tchad. Et cela, bien entendu, grâce au leadership et à la très grande vision du président de la République, Idriss Déby Itno. Ces pays, ce sont le Burkina Faso, de Roch Marc-Christian Kabore, l'Arabie Saoudite, du serviteur de deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, le Bénin, du président Patrice Talon, et le Kosovo, ayant à sa tête Hashim Tassi. Tous les dispositifs protocolaires sont mis en place pour la cérémonie de présentation des lettres de créance. Tapis rouge, haie d'honneur présidentiel, paraît dans sa tenue de grand jour. L'honneur et choix au directeur du protocole d'État du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Osso Dongarty Mamdingangar, de diriger la cérémonie. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Tchad, professeur Benoît Kabou, qui est le tout premier à remettre au chef de l'État Idriss Déby Itno ses lettres par lesquelles le président du Faso l'envoie en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du pays des hommes intègres, comprenez Burkina Faso. J'ai demandé son appui pour la tenue de la deuxième grande commission mixte de coopération entre les deux pays pour finaliser les accords. Vous savez que la première grande commission avait adopté 21 accords et sur les 21 accords, 6 seulement ont été signés. Alors, on souhaite pour ce faire l'appui du chef de l'État tchadien pour la tenue de la deuxième grande conférence à Ouagadougou cette année 2018. Universitaire chevronné, maître de conférences en droit public, ex-vice-président de l'Université de Ouagadougou, professeur Benoît Kambou, aura pour mission de resserrer davantage les liens de coopération agissant entre N'Djamena et Ouagadougou. Le nouvel ambassadeur burkinabé résidera à N'Djamena. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, l'honneur me choix de vous présenter Son Excellence Monsieur Jamil Abdourahmane Chacha, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite.
le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz As-Saoud, a envoyé en N'Djamena un communicateur. Djamil Abdrahman Checha, c'est son nom. Il est spécialisé en relations publiques. Son background est un atout pour entretenir les relations séculaires de coopération entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le nouvel ambassadeur a réaffirmé l'engagement de son pays à appuyer le Tchad dans plusieurs domaines clés. Il entend également porter au firmament les relations très fructueuses qui existent entre Riyad et N'Djamena. Engagé dans un même combat, celui de la lutte contre le terrorisme, le président de la République, Idriss Déby Itno, a déclaré aux diplomates saoudiens que le Tchad et l'Arabie Saoudite ont un même défi, la lutte contre le terrorisme. Dans cette série diplomatique, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kosovo au Tchad, avec résidence à Dakar au Sénégal, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ramadan Kachi est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en agriculture et plusieurs titres académiques, dont un en histoire. Il était précédemment consul de son pays à Bruxelles. Il foule le sol tchadien pour la première fois et devient de facto le premier ambassadeur du Kosovo en Afrique. Géographiquement, nous sommes très éloignés, mais point de vue donc d'amitié, nous sommes très 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 proches. J'y mettrai mon point pour parfaire nos relations dans différents domaines, que ce soit dans le domaine culturel, économique, industriel, universitaire. Nous allons donc, vous allez entendre parler donc de ces résultats très 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 vite. Indépendant depuis le 17 février 2008, le Kosovo, à travers son diplomate Ramadan Kachi, qui est à son premier poste d'ambassadeur, voit grand dans la consolidation de l'axe N'Djamena-Pristina. La femme qui aura désormais la charge de donner du reflet à la coopération entre son pays, le Bénin et le Tchad, est une diplomate moulée à la Sorbonne. Titulaire d'un DEA en relations internationales, Madame Paulette Adjovi Yepke a servi pendant une dizaine d'années dans les institutions internationales avant de se mettre au service de son pays. C'est tout ce capital d'expérience qu'elle entend mettre à profit pour fluidifier l'axe Cotonou-N'Djamena. Depuis très longtemps, nous sommes en relation très étroite. Nous avons une coopération commerciale avec le Tchad. Nos chambres de commerce se sont entendues et ont créé cette coopération. Depuis le 20 septembre 2000, un accord a été signé. Il y a tellement de choses qui ont été faites par le Tchad et le Bénin. Le Bénin a accueilli pas mal d'étudiants tchadiens. Le président de la République l'a encouragé à maintenir au plus haut niveau la coopération entre le Bénin et le Tchad. Une coopération agissante et fructueuse qui se passe de tout commentaire. Les quatre diplomates qui ont convergé au palais présidentiel font partie des grandes nations. Avec ces pays, il va sans dire que le Tchad nouera des relations exemplaires fondées sur le respect mutuel et une coopération efficiente. Arrivé en fin de mission, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Wu Jie, est élevé au grade d'officier de l'ordre national par le président de la République, Idriss Déby Itno. Wu Jie vient de boucler ses deux années de carrière diplomatique au Tchad. Il avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État le 19 avril 2016. Ce jeudi 5 juillet 2018, il franchit pour la dernière fois les marches du palais présidentiel pour dire ses adieux au président de la République. Pour avoir contribué à tonifier les relations sino-tchadiennes, le chef de l'État Idriss Déby Itno a tenu à honorer le diplomate chinois. Le président de la République l'a élevé au grade d'officier de l'ordre national du Tchad. Ému par cette distinction, Wu Ji
s'est félicité des bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays, des relations que les présidents Xi Jinping et Idriss Déby Itno s'emploient à renforcer et consolider davantage pour le bonheur des deux peuples frères et amis. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu par le président avant mon départ. Et au cours de l'audience, nous avons passé en revue les relations sino-tchadiennes. Nous sommes tous très satisfaits de la coopération sino-tchadienne. Et au cours de cette audience, j'ai dit quelques mots au président. Le premier, c'est la fierté. Je suis très fier que durant 2 années écoulées, les relations sino-tchadiennes se sont développées à pas sûr et sont montées à un nouveau escalier. Deuxième mot, c'est la gratitude. Et dans l'accomplissement de ma mission, j'ai eu le soutien et le concours bienveillant du président et du gouvernement tchadien. Et je les remercie sincèrement. Troisième mot, c'est mémoire inoubliable. La culture riche s'est diversifiée. Le peuple chaleureux et hospitalier du Tchad sont restés inoubliables. Il a beaucoup de mémoires, beaucoup de choses restent inoubliables. Je partirai avec les belles mémoires du Tchad et les meilleures aspirations aux relations sino-tchadiennes. N'importe où je sois, je prêterai une vive attention au Tchad et je resterai très attaché au développement de la cause de l'amitié sino-tchadienne. Durant son service au Tchad, Wu Ji a été un acteur de premier plan dans la densification de la coopération entre le Tchad et la Chine. J'ai été dépêché auprès du président Déby pour d'abord lui renouveler les marques de haute estime de son frère, le président Biya, et profiter de l'occasion également pour évoquer des problèmes d'intérêt commun. Vous savez que nous sommes des pays frères, nous sommes des pays qui avons des affinités nombreuses, profondes, et nous partageons une frontière qui est d'abord artificielle, ensuite qui est fluviale et qui est lacustre. Évidemment, nous avons eu à évoquer un peu la particularité de nos relations. Le Tchad et le Cameroun n'ont pas de problème, nos relations sont sans nuages, les relations entre nos deux chefs d'État sont excellentes. Et évidemment, j'ai pu simplement évoquer avec le président Déby les voies et moyens de continuer à consolider ces relations. Et voir dans quelle mesure, s'il y avait un problème ici ou là, apporter des solutions idoines pour que ces problèmes soient aplanis. Le président Déby m'a réaffirmé que, vu la qualité des relations entre le Tchad et le Cameroun, ses relations personnelles avec le président Biya, aucun problème de quelque nature que ce soit ne peut ne pas être résolu entre le Tchad et le Cameroun. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, j'ai évoqué avec le président des questions d'intérêt commun, mais il n'y a pas véritablement de contentieux particulier entre le Tchad et le Cameroun. Nous avons essayé d'examiner ensemble les voies et moyens de conforter nos relations, de les diversifier, de conforter notre coopération dans les différents domaines. Et je pense que le président Déby est parfaitement disposé, avec son frère, le président Biya, à travailler dans ce sens. Boko Haram a été considérablement affaibli, mais Boko Haram continue d'exister, surtout par des voies insidieuses, fugitives. Boko Haram arrive, il frappe, il repart, donc il continue d'exister. Mais nous pensons que la mutualisation des efforts entre les différents pays de la région, en particulier entre le Tchad et le Cameroun, la mutualisation de nos efforts aura eu raison de Boko Haram.
qui aujourd'hui reste une quantité peut-être pas négligeable, mais qui n'a plus la même force de frappe qu'elle avait tout à fait au début. Donc, on a évoqué rapidement l'existence de Boko Haram encore dans certaines zones, qui agit de manière fugitive, mais en faisant quand même encore des dégâts. Mais nous pensons que la confortation de cette mutualisation de nos efforts, la collaboration entre nos différents services des frontières, les services de renseignement, les services de nos administrations, en essayant de promouvoir une meilleure collaboration et une collaboration permanente entre ces services frontaliers, ces administrations frontalières, nous pourrons continuer à véritablement infliger des pertes définitives à Boko Haram. En poste au Tchad, depuis mars 2018, la représentante résidente du Fonds des Nations Unies, UNFPA, Dr Edwige Adekambi Domingo, est reçue par la Première Dame du Tchad, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno. Reportage Sabura Dunia Kany. C'est dans le cadre de leurs échanges réguliers sur la recherche du mieux-être des populations que la Première Dame Hinda Debi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, a reçu Dr Edwige Adekambi Domingo, nouvelle représentante résidente au Tchad du Fonds des Nations Unies pour la Population. La rencontre est axée sur l'action de la Première Dame sur les déterminants sociaux de la santé afin de réduire les inégalités, notamment la santé maternelle, l'autonomisation de la femme, l'insertion des enfants en situation difficile, la question du mariage des enfants, les actions en faveur de la solidarité nationale. Dr Edwige Adekambi Domingo salue l'engagement de la Première Dame. Je suis venue dans un premier temps en sœur africaine pour saluer l'engagement donc, de la Première Dame en matière donc, d'amélioration du cycle de vie des populations tchadienne et particulièrement les femmes, les adolescentes et les jeunes, quel que soit leur statut social, quel que soit où ils se trouvent, parce que de par le passé, nous avons suivi ce qui est fait aussi bien par elle en tant que Première Dame, mais également au niveau donc de la Fondation Grand Cœur. Le partenariat Grand Cœur et les Fonds des Nations Unies pour la Population est également passé en revue au cours des discussions. Nous avons profité aussi pour passer en revue le partenariat qui existait déjà entre le Fonds des Nations Unies pour la Population et la Fondation Grand Cœur pour voir comment renforcer les acquis de tout ce qui a été fait et également comment nous projeter en fait dans un avenir proche et en même temps aussi pour 2019, dans le cadre donc des investissements qui sont déployés pour transformer donc la vie des femmes et la vie donc des adolescents et des jeunes. Nous avons échangé sur beaucoup de sujets d'intérêt commun, que ce soit les questions donc d'autonomisation des femmes, les questions liées donc à l'application de la loi audacieuse que Son Excellence le Président du Tchad a prise en ce qui concerne le mariage d'enfants, que ce soit les questions de la fistule, que ce soit aussi en fait les questions de planification familiale, de santé maternelle, et aussi des adolescents en situation donc difficile qui ont besoin d'être accompagnés. Le binôme Fondation Grand Cœur et les Fonds des Nations Unies pour la Population prendra un autre envol au sortir de ces échanges riches et fructueux. Toute l'équipe technique et rédactionnelle du magazine Sur le Perron vous remercie de votre fidélité et à très vite pour le cinquième numéro.